Et coucou, je suis ravie de vous faire découvrir le contenu de la box Le Boudoir du mois de mai. Ce mois-ci, la box a pour thème délicatesse de mai. Et je dois dire que je suis quand même très fière de son contenu. Et je peux même aller plus loin en vous disant que je suis très fière de tout ce qui arrive. Les prochaines box, j'aime autant vous dire qu'il ne vaut mieux pas passer à côté. Je commence par le cadeau de la box Gold. Et ce mois-ci, il s'agit de la marque Yum Paris. Qui s'écrit comme ça et se prononce YOM comme potassium, magnésium, calcium. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une gamme de soins à base d'oligo-éléments. La marque offre donc à l'un des abonnés de la box 3 soins de leur gamme. Et c'est d'ailleurs la première marque de soins oligo-éléments bio. C'est une marque qui est hyper clean, éthique. Ils ont d'ailleurs travaillé avec des naturopathes, des nutritionnistes. J'ai d'ailleurs l'un des directeurs qui est venu directement à la maison pour me livrer tout ça. Il y a donc la gelée oligo nettoyante. J'ai tout testé parce qu'ils m'ont également envoyé la totalité pour moi de façon à ce que je puisse communiquer dessus. J'ai dû essayer l'ensemble pendant au moins 15 jours et j'aime beaucoup. Donc cette gelée, forcément, elle va venir nettoyer la peau, la clarifier et l'apaiser. Ce sont des flacons bleus en verre pour l'ensemble de la gamme, pour d'ailleurs limiter les expositions des formules à la lumière. Et ça permet forcément de conserver l'efficacité. Ce sont des flacons qui sont réutilisables et recyclables. Je les ai installés tous les trois dans la salle de bain, c'est super joli. Ils ont également offert leur sérum qui va venir raffermir, lisser et illuminer. Je l'adore. C'est un petit flacon pipette. Je le mets forcément matin et soir. Quand je vous dis pipette, donc on appuie et on vient dévisser. On prend la dose nécessaire et hop. J'aime beaucoup ce principe à chaque fois. Et enfin, leur crème jeunesse redensifiante qui, elle, va venir hydrater, repulper et illuminer. Donc voilà les trois produits qui sont d'ailleurs super jolis, comme je vous disais, installés dans la salle de bain. Et la valeur de cette gamme s'élève à 137 € pour la box Gold de ce mois-ci. La marque m'a donné un code promo que je vous mets en barre d'infos, tout comme l'intégralité de tous les partenaires de la box, vous allez tout retrouver. Et je vous le mets également ici, ça va vous permettre, si jamais vous passez commande, d'avoir la livraison gratuite. On passe au contenu de la box de mai. Je vous montre déjà le flyer, évidemment. Donc on a des pétales de rose un peu floutées au fond et une clé. Est-ce qu'il y a un rapport avec le contenu de la box? C'est possible. Et au dos, la liste des produits. Et le papier de soie donc a changé pour ce mois-ci. Il est, vous n'allez peut-être pas voir, il est entre le rose très clair et le champagne. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ça aurait été quand même cool d'avoir un des articles de la gamme Yum Paris. Je sais. Évidemment, avec les dirigeants, nous avons pensé à vous. Et nous vous avons glissé un des soins d'ailleurs qui n'est pas là et il s'agit de leur contour, non, je le reprends, de leur super contour des yeux. Tout le monde va avoir leur baume énergisant yeux qui donc va venir hydrater le contour de l'œil, le lisser et ce qu'on adore tous, le défatiguer. Pareil, dans chacune des boxes, on vous a mis un livret, un très beau d'ailleurs, livret de présentation. Ça vaut le coup de le feuilleter et de s'intéresser un petit peu à tous les bienfaits des oligo-éléments. Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, je reprends ma petite fiche parce que je ne veux pas me tromper, c'est quand même très important, qui vont venir agir sur la protection anti-radicalaire, la micro-circulation cutanée, l'amélioration de l'aspect de la surface de la peau, l'hydratation, la synthèse du collagène, très important, l'élasticité, vous l'aurez compris, c'est très intéressant d'utiliser les oligo-éléments en cosmétologie. Vous allez retrouver le petit flacon bleu en verre et c'est un flacon pompe. Une toute petite goutte suffit, je viens tapoter, moi c'est vraiment mon plaisir, surtout le soir, je me mets dans mon canapé, je fais tous mes soins moi, devant Netflix notamment. Donc on vient forcément sur peau déjà bien nettoyée. Je viens tapoter le contour. On ne le met pas trop près parce qu'on sait que notamment les contours des yeux, ça remonte. Je fais des petits mouvements circulaires pour venir activer la circulation. Sa texture délicate et rafraîchissante que je mets d'ailleurs au frigo.
C'est non gras, c'est non collant, vous apporte confort et bien-être immédiat, je confirme. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, testés dermatologiquement, non comédogènes, c'est bio, c'est vegan, c'est excellent sur Yuka. C'est évidemment fabriqué en France. On vous a mis également un petit code promo, mais là uniquement pour, donc regardez, c'est marqué sur le flyer pour ceux qui ont acheté la box. Et ça vous donnera 10% jusqu'au 30 juin sur l'ensemble de la gamme. Et ce sérum coûte 39€. Je poursuis avec le bijou qui a été d'ailleurs proposé dans la rubrique à venir. Vous avez eu la possibilité de le découvrir sur le site. J'ai donc travaillé avec la marque Comptoir de Floris, c'est Florilène Soulas. Il s'agit donc d'une bague dans ce petit pochon. Je la mets et je vous montre. Elle est super jolie. J'ai voulu un modèle délicat qui puisse être porté par le plus grand nombre en fait. Évidemment, c'est une bague qui est réglable. C'est le modèle Cataline et je vous montre évidemment tout de suite. Elle est en laiton doré à l'or fin 24 carats, dorure 1 micron. C'est une pierre semi-précieuse en agate noire. C'est fabriqué en petite série à Paris. Cette ravissante bague coûte 40€. Je crois que j'aime bien aussi la mettre ici. Et forcément, en accumulation, c'est canon. Avec plein de petites, j'aurais pu d'ailleurs vous montrer, j'en ai pas. Elle a réalisé des petits flyers pour la box. Elle vous a fait aussi un petit code promo de 20% pour bénéficier de votre bijou préféré sur l'ensemble de sa boutique avec le code BoudoirBox20, je vous le renote ici. Et c'est valable jusqu'au 25 juin 2023 et c'est effectivement utilisable une fois par personne. Il y a également toutes les instructions d'entretien de la bague. Je suis pas en train de... J'ai l'impression que je baisse. Je me tasse. Je suis particulièrement fière aussi, c'est vrai, pour cet article que je vais vous présenter parce qu'on a travaillé avec une créatrice et j'ai, on va dire, dessiné, j'ai pensé le modèle. Voilà, je voulais tel élément, je voulais tel tissu, je voulais telle chose. Et en fait, je suis tellement contente d'avoir pu créer cet article. Elle a fait un travail remarquable. C'est adorable. Et vous allez voir, c'est le fameux petit indice que vous avez trouvé. Vous avez 2 heures. Il s'agit d'un porte-clés. Des douces mains de Joe. Regardez cette merveille. On n'est pas sur du boudoir, un peu beaucoup quand même. Je voulais un tissu en toile de Jouy, je voulais également un petit nœud, je voulais que ce soit dépareillé avec l'attache pour que ça en fasse un porte-clés unique en fait. Et je crois que c'est plutôt réussi. Donc c'est présenté dans un petit pochon en organza. Je sais que je l'ai montré autour de moi et beaucoup de personnes m'ont dit non mais hey, j'en veux un, clairement j'en veux un. Et je sais que la créatrice était super contente d'avoir pu sortir cette création en fait. Et il y a également ce modèle art déco avec un nœud bleu marine et la tache qui est, on va dire, dorée. Chaque modèle est différent. Il est donc en coton avec un rembourrage en watt. C'est un porte-clés qui coûte 7,90€ et il est donc fait main à Colmar. Et je précise, parce qu'elle le note sur sa carte, c'est une marque qui se tourne au maximum vers l'éco-responsabilité et le zéro déchet. Chaque commande est personnalisable, comme vous pouvez le constater. Donc je vous invite vivement à aller sur sa page. On continue avec un petit parfum. Alors pareil, pas n'importe quel parfum. Déjà, vous allez avoir la possibilité d'avoir soit ce modèle, regardez comme c'est joli, Week-end à Arcachon, ou bien Vu sur l'océan, et c'est la marque Margot et Tita. Ça n'a pas été évident de choisir parce qu'ils ont une gamme. Ce sont donc les tout nouveaux mini dressings, donc les best-sellers. De l'eau de parfum avec des matières soigneusement sélectionnées, comme par exemple l'utilisation d'alcool naturel issu du blé et de la betterave. C'est un flacon bijou. C'est super joli, le petit flacon bijou. Qu'on peut d'ailleurs emporter partout. Les fragrances, donc celle-ci, Vue sur l'océan, j'avais peur que ce soit très iodé. Moi, je suis pas très iodée, mais c'est un subtil mélange, justement. On sent très légèrement le... Oh là là, j'adore cette odeur. C'est super sympa, très frais. Week-end Arcachon.
week-end à Arcachon. C'est très dur hein, de décrire. C'est délicat. Tiens, délicatesse de... C'est beaucoup plus... C'est très délicat. Celui-ci, c'est un petit parfum qui est en plus pailleté. C'est donc une marque qui est bordelaise. Et ils ont créé le concept du mix and match. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est certains parfums entre eux peuvent s'associer. On peut en mettre un petit pchit et là ça fusionne et ça crée un nouveau parfum. Tout est indiqué en fait quel parfum va bien avec l'autre si ça vous intéresse parce que c'est vraiment une très chouette collection à se faire. Moi ils m'ont envoyé 6 ou 7 produits pour que je puisse sélectionner. Je les ai mis les uns à côté des autres, c'est super joli. Et ces petits parfums coûtent 10 euros. Est-ce que je vous ai glissé autre chose? J'ai marqué sur le flyer, une petite surprise s'est glissée à l'intérieur de votre box. Il s'agit, j'avais envie, c'est vraiment le petit truc en plus. Je vous ai mis une petite sucette avec possibilité d'avoir plusieurs coloris et plusieurs goûts. La petite touche en plus pour finaliser la sélection. Évidemment, nous sommes passés à celle de juin, si jamais ça vous intéresse. Je fais ça parce que je sais ce qui va se trouver dans cette box et il est grandiose. Je vous le dis, je vous le dis. Le mood board de juin, donc il s'appelle l'insolente. Une box pleine d'audace, un seul mot d'ordre, oser être belle. Encore un grand merci à tous les partenaires de l'édition de mai. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends bien évidemment tous vos retours en commentaire. Et un grand merci d'être toujours autant fidèle, en tout cas, à la box. Je vous dis à très bientôt. Bah non, en fait, je vous dis même à dimanche pour la suite des vlogs. Ciao.